9h18, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans le live de TV Finance, de retour sur le plateau et c'est l'heure de notre rubrique, le broker du jour avec eToro et nos deux experts en duplex, il s'agit de Antoine Fraissoulier et David Derry, tous deux analystes marché chez eToro. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Antoine, on va commencer avec vous sur les market movers Europe et ce fameux CAC 40 qui a clôturé la semaine en hausse malgré les préoccupations qui entourent le dossier Evergrande. Alors ce matin, on est reparti à la baisse avec un marché sans grande conviction. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette semaine et ce début de semaine? Alors effectivement, les marchés la semaine dernière ont tremblé. Car la menace de faillite du numéro 2 chinois de l'immobilier, c'est Evergrande, eh bien, a plané, faisant craindre un risque de contagion sur le marché chinois. Alors finalement, ces craintes se sont dissipées puisque Evergrande a réglé la participation, c'est-à-dire l'échéance de versement qu'elle devait, même si ça a été un petit peu remis en question hier matin. Bon, le feuilleton Evergrande va se poursuivre car le groupe n'est vraiment pas sorti d'affaires puisqu'il y a 300 milliards de dollars de dettes et le gouvernement chinois semble tiraillé entre sa volonté de sanctionner le conglomérat ou sa crainte de laisser de provoquer sa faillite, ce qui pourrait engendrer une crise systémique en Chine et qui pourrait s'étendre aussi dans le reste du monde. Alors, c'est vrai que les marchés ont du mal à monter avec cette chape de plomb. Le CAC 40, depuis le début de la semaine, se replie. On reste vraiment maintenant sous les 6700 points. 6700 points, c'est un niveau que le CAC n'arrive pas à dépasser maintenant depuis plusieurs semaines. On est revenu tester vendredi dernier et ensuite on s'est remis à baisser. Et là, on est effectivement, maintenant on teste les 6600 points et c'est vraiment un biais plutôt négatif sur le CAC. Je rappelle que la semaine dernière, on a fait 6004 au plus bas et ça pourrait être un niveau qu'on revienne tester dans les prochaines séances. Alors, il y a TotalEnergies qui est une des plus fortes progressions du marché français en raison de la flambée des prix du pétrole. De manière générale, toutes les énergies en ce moment, on le vend en poupe. Oui, effectivement, on voit qu'il y a une flambée des prix énergétiques et notamment du pétrole. Hier, les cours du Brent ont touché pour la première fois depuis 2018 les 80 $ le baril. Alors, c'est vrai que les cours du pétrole progressent dans l'espoir d'une reprise de la demande, qui est notamment provoquée par la chute de la crise sanitaire. On voit aussi que les cours sont soutenus en raison d'un effet conjoncturel, c'est-à-dire c'est la tempête Ida qui a frappé aux États-Unis et qui a un moment au pic de sa force, l'ouragan a bloqué 80% de la production du golfe du Mexique. Et donc, cette production en moins fait que les stocks de pétrole aux États-Unis sont en train de baisser. Ils ont baissé de 30 millions de barils depuis maintenant 2 mois. Et donc, ça favorise la hausse des cours du pétrole. Donc ensuite, toutes les sociétés pétrolières comme TotalEnergies ou autres, et notamment David y reviendra par la suite, toutes ces sociétés pétrolières progressent fortement. TotalEnergies, on a vu qu'hier, c'était une des plus fortes hausses du CAC. La semaine dernière, c'était la plus forte hausse du CAC 40. Et maintenant, on arrive, comme on peut voir sur le graphique, sur une zone de résistance majeure. Alors c'est 42 €, grosso modo. Donc là on est dessus sur TotalEnergies. Donc peut-être que ça va bloquer un petit peu, mais la tendance de fond est vraiment positive et si on cassait ce niveau, ça pourrait libérer un potentiel d'appréciation assez important. Le prochain niveau, c'est 47 €, donc ça sera à surveiller dans les prochains jours. Et la troisième valeur que vous avez sélectionnée, c'est Rolls-Royce qui flambe en bourse après avoir annoncé un contrat avec l'US Force de 2,6 milliards de dollars. Oui, effectivement, Rolls-Royce qui est spécialisé dans les moteurs d'avions. Et Rolls-Royce a signé avec la flotte américaine pour des bombardiers B-52. Donc c'est 500 millions de dollars par an sur 6 ans. Donc on arrive à 2,6 milliards. ce qui est énorme, hein, c'est le plus gros contrat signé par Rolls-Royce. Alors Rolls-Royce était vraiment un groupe qui était vraiment dans la tourmente, qui s'est restructuré, qui a restructuré sa dette et qui a énormément baissé, comme vous pouvez voir sur le graphique, puisque on a baissé d'à peu près 80% sur les 3 dernières années. Et maintenant, avec depuis 3-4 séances, on voit qu'on repart fortement à la hausse. On a cassé ce niveau très important des 128 pence. Et là, maintenant, donc hier, on a pris 11%. Hein, c'était la plus forte hausse du stock 600 Europe sur Rolls-Royce. Et là, ça pourrait donc être le début, eh bien, d'une remontée spectaculaire du titre. Mais attention, bon, avec des baisses aussi fortes, on peut avoir quelques relents et quelques remous sur le titre, mais toujours est-il que ça, c'est peut-être le début de la remontée pour Rolls-Royce.